Félicitations! Vous venez de créer un compte sur le logiciel de facturation pour auto-entrepreneurs MyAE. Dès votre première connexion, vous accédez au tableau de bord avec les indicateurs clés de votre activité. MyAE bénéficie d'une interface simple et intuitive pour créer vos devis et factures. Pour commencer, voyons comment éditer un devis. Dans l'onglet My Devis, cliquez sur « Saisir un devis ». Renseignez votre client ici, si c'est un client déjà existant, ou ajoutez un nouveau client. Puis renseignez les différents produits ou prestations à facturer. Et complétez les conditions de paiement. Puis cliquez sur « Continuer ». Pour vérifier la conformité de votre devis, cliquez sur « Aperçu ». Pour finaliser votre devis, faites « Enregistrer ». Maintenant, pour facturer votre client, il vous suffit de transformer le devis en facture. Votre facture est la copie conforme de votre devis. Vous pouvez l'envoyer directement à votre client par mail ou tout simplement l'enregistrer. À la réception du paiement, vous pouvez enregistrer son règlement en cliquant sur Ajouter une recette. Depuis l'onglet My Relance, et en cas de retard de paiement, vous pouvez envoyer une lettre de relance type ou une mise en recouvrement. De la même manière, dans My Tiers, vous pouvez gérer vos clients et fournisseurs. Dans My Registre, vos achats et paiements. Et créer votre catalogue de produits ou de prestations. Dans My Déclaration, vous pouvez déclarer votre chiffre d'affaires encaissé ou simuler vos cotisations à payer. Le dernier onglet, My Compte, permet de gérer les informations de votre auto-entreprise et de personnaliser vos documents avec un logo. La rubrique « Rapports et statistiques » fournit des indicateurs détaillés sur votre activité, dont les deux principaux sont représentés dans le tableau de bord. Le chiffre d'affaires prévisionnel, avec le seuil à ne pas dépasser, et le suivi de votre trésorerie. Avec MyAE, gérez simplement votre auto-entreprise.